Chen. Amelina qui je suis Elina. Je suis Amelia et on est deux sisters. Aujourd'hui on va faire la guerre des back to school. Bleu contre rose. Aujourd'hui je vais vous présenter les fournitures scolaires en rose. Et aujourd'hui je vais vous présenter les fournitures scolaires bleues. Donc suivez-nous, c'est parti. Alors Amelia, qu'est-ce que tu vas commencer à me montrer? Par un sac. Quelle couleur? Le bleu. Et à mon tour, rose. Un sac, mais un rose, il est trop cute. Il a des palmes, turquoise, rose. Et ici c'est Californie, je trouve trop cute. Regardez mon slime. Oh. Mon sac, il est bleu. C'est des motifs. Camouflage bleu, bleu clair, bleu foncé et noir. À la guerre, quand à la guerre. On continue? Oui. Le mien, il est plus confortable. Ici, on dirait que c'est un coussin. J'adore. Il y a 4 poches. Il est très confortable. Et j'ai 4 poches. Ah oui. Et aussi, je peux mettre... J'ai des poches sur le côté pour mettre des bouteilles. Et j'ai aussi des bandes réfléchissantes pour avoir plus de sécurité quand on sort le soir. Ouais, mais non, celui-là, t'en as aussi. Ah oui, j'en ai aussi. Mais ils sont tous petits. Et j'ai aussi des poches. Ici. J'ai aussi des poches. Ici. Ok, je suis bien quand même. Donc mon sac est plus pratique. Mais le tien aussi, ça va? Oui. Alors c'est à moi de montrer les fournitures scolaires. Qu'est-ce que tu as riposté contre une ardoise rose? Elle est très cute. Alors il y a un stylo et aussi pour effacer. Alors et toi? Ah ça y est pas? Je riposte contre une ardoise bleue. Alors, et j'ai plus de stylos que toi. Là, on a 3 pouces, un effaceur, donc je trouve... J'avoue que c'est l'ardoise d'Amina qui gagne dans ce round. Mon effaceur, il est trop stylé pour effacer. Et un. Qu'est-ce que tu ripostes contre un agenda de Pokémon bleu? Ah, j'aime bien regarder les Pikachu tout devant. Il y a beaucoup d'amis qui aiment les Pokémon. Alors, dans mon sac, il se cache un agenda de princesse. Je le trouve aussi cute comme tout ce que j'ai dans mon cartable. Regardez, c'est très pratique. Et c'est très stylé aussi. C'est très stylé, mais pour les filles. En fait, c'est Girl Power. Ah, il y a aussi... Ici, on peut lire. Chaque jour, ils sont écrits quelle fête il y a. Et j'en ai. C'est bon? Et voilà. Je pense qu'on a un chacune. Qu'est-ce que tu vas montrer? Contre une trousse rose. Rose shine. Je poste contre une trousse bleue avec des flamants roses. Non, des flamants bleus. Alors, ma trousse est rose transparente. C'est écrit que tu as brillé aujourd'hui. Il y a des points roses et elle est assez grande. Ma trousse, elle est grande. Elle est transparente. Et... Alors. Elle est assez grande. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour ma trousse. Bleu turquoise. Rose. Et je pense qu'on a un partout parce que moi aussi j'aime bien un tas de trousses. Moi aussi. Je vais te présenter. Ma calculatrice bleue. Ah, ça veut dire qu'il faut que je te le montre en rose? Oui. Rose. On a un chacune parce que c'est la même calculatrice mais en différentes couleurs.
à mon tour. Qu'est-ce que tu vas dire contre ce stylo de nuances métalliques rose? Il est très joli. Et c'est aussi quatre couleurs. Alors Mina, t'es perdue à l'intérieur? Attends, je... On commence à la tête à l'intérieur. Ah, c'est bon. Ah. Alors regardez, tu l'as trouvé? Oui. Mais il n'y a pas de nuance métallique. Tu pourrais faire lequel, non? Le tien. Le mien, vous gagnez un point. Mais le tien, il est quand même pratique parce qu'il y a quatre couleurs en un. C'est à ton tour. Qu'est-ce que tu as riposté contre scotch transparent bleu? Bleu turquoise. Je vais te riposter contre le même, mais en rose. Moi, je préfère le mien. Il y a une préférence pour le mien. Et vous, quelle vous avez préférence? On vous met juste ici, dans le petit i, un petit sondage. Quelle couleur vous préférez? Ouais, on a encore un parce que c'est le même. Dans mon sac, j'ai trouvé des ciseaux roses pailletés. Il y a des diamants collés, et ici, il y a des dessins de paillettes. Je le trouve très girly. Mais moi aussi j'en ai un, mais en bleu. Avec des paillettes? Non. Il y a des petits diamants. C'est pas pour les filles, c'est pour les garçons ces ciseaux. Non mais il y a des filles qui aiment bien. Et toi tu préfères? Tu l'aimes? Oui. Maman? Oui. Amélia préfère ses ciseaux, je préfère mes ciseaux, donc on a un partout. Ah. Qu'est-ce que tu me propose contre un stylo effaçable bleu? Alors t'as 4 cartouches parce que l'intérieur il y en a aussi un, hein, et il est effaçable. Est-ce que j'ai la même chose? Tu vas voir si j'ai la même chose ou pas. J'attends dans 3 secondes. J'ai le même, mais en rose. Tu me le donnes. Non, non, non. En plus, il y a une nuance métallique. Il y a 3 cartouches. 4, parce qu'on a un aussi à toi, comme je vous l'avais dit. Et je trouve que c'est pratique parce qu'on peut l'effacer si on se trompe. Amélia, au début, elle voulait ce stylo, donc j'ai gagné dans ce round. Alors. Crayon très fluo. Alors ça, ça ne compte pas. Le plus important, c'est les roses. Ils sont très fluo. Et il y a aussi une gomme rose. Et c'est un crayon. Ça ne se fait pas! J'ai que la Alors oui, c'est tout fluo, mais le plus important, c'est les roses. Et t'as que des bleus. Oh, avec des nuances métalliques. Tes crayons, ça fait un peu hiver, alors que les miens, ils sont été, donc je préfère les miens pour que ça me rappelle l'été quand je suis en cours. Un, parce que moi aussi, j'aime le métallique, parce que c'est pailleté. Et ça me fait penser à la mer. Ok, un, on va partir. J'ai des stylos feutres bleu pastel. Qu'est-ce que tu me proposes? J'attends ta réponse. J'ai les mêmes, mais en rose très fluo. Moi. C'est les mêmes, donc c'est un partout. Parce que Elina, elle adore le bleu pastel. Et moi, j'adore le rose fluo. Donc, chacune gagne un point. Fouille dans ton cartable et trouve un taille crayon bleu. 1, 2, 3. J'ai une chemise. Ça, j'ai dit, ça c'est terrible. Il est rose et violet. Moi, le mien, il est bleu. Je préfère mon taille crayon parce qu'il est un peu foufou. Et il est aussi très drôle. Alors que le tien, il est très simple. Mais oui, mais moi, je le préfère parce que quand t'as une mine coincée dans ton taille crayon, tu peux le ressortir à pied juste sur ce bouton. Il est très pratique. Donc, un. Oui, c'est moi qui gagne. Mon taille crayon, on gagne un point. Pilou, trouve pour moi
Un souligneur rose. Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut dans ce petit sac. 1, 2, 3. Il est très fluo. Et il est vraiment magnifique. Nos fournitures gagnent 1-1 chacune. On continue. C'est avant tout le monde. Amélia, alors on va prendre un compas. Oh, mais j'ai pris ça dans ma main. 1, 2, 3. C'est le même argent, couleur. Et je trouve qu'il est pratique. On gagne un point. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ramasse dans nos sacs? Une gomme bleue. Une gomme rose métallique. Et c'est pas pareil que le mien. Il est plus pratique, regarde. Il y a un bouchon pour pas le salir dans la trousse. Le mien, il efface très bien. Il efface très bien. Comment tu sais que tu l'as déjà essayé? C'est juste parce que c'est écrit sur le papier. Non, en plus, je l'ai déjà essayé par un ami. Alors, on a un point encore partout. Ok, mettez des lettres si vous aimez ma gomme. Non, ma gomme. Et donc, si on n'arrive pas à se décider qui a gagné pour ça, donc vous votez ici, juste ici, dans le petit i, on vous met un sondage. Allez, c'est un tour. Qu'est-ce que tu vas riposter? Contre cette règle très longue. Ça fait... Attends, je... Non, là. Alors, j'ai qu'une règle à l'intérieur, alors de 30 cm. Bon, il y a en un marque. En plus, c'est très parisien, hein, j'avoue. Qu'est-ce que tu ripostes contre des cols bleus? Alors, Amélie, tu serais très jalouse. Mais oui, parce que j'aime pas ces cols, tu vois. Mais j'étais obligée de les prendre parce que j'aime que ça. Alors, c'est des monstres. Et Amélia, elle a choisi les mêmes cols dans sa vidéo fourniture scolaire. Si vous ne l'avez toujours pas vue, vous le mettez juste ici dans un petit i. Et parce qu'en fait, il y a un tatou à l'intérieur. Donc, c'est super cool. T'as qu'une colle rose et j'en ai plusieurs. Je dis à un partout parce que mes cols sont très drôles. Et je gagne en plus un tatou. C'est bon? Oui. À mon tour. Alors, il me reste un classeur, un trieur et un... Alors montre-moi ton trieur, mais je trouve pas qu'il sera plus beau que le mien. Chien, je vois que du rouge. Ah. Alors que le tien, il est tout simple. Tu préfères lequel? Le tien. Moi aussi, j'aime bien le petit... Regardez le petit chien avec le croissant, avec des petits cœurs. Quand j'étais en CD2, j'avais un classeur pareil, comme ça. Avec le même dessin? Oui. Je gagne dans ça. J'attends ta réponse avec une pochette. C'est la même que mon trieur. Ah non, j'avais pas raison. J'aime bien les deux. Ici, il y a des paillettes. Donc je pense qu'on a un partout. Il nous reste 1, 2, 3. Alors, j'ai le dernier fourniture scolaire qu'on a, c'est un classeur. Le mien, il est pastel et je trouve qu'il est simple mais très joli. Le mien, c'est les lapins crétins. Qui fait du basket. Il y a une amie qui adore beaucoup le basket. Et l'autre, lapin crétin. Il... Non, c'est pas bien. Non, 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 non. Ah, il enlève le... Les autocollants qu'il a eu sur lui. Et je trouve qu'il est très drôle. Donc je pense qu'on a un partout parce que le mien, il est très simple et il est très beau. Tu trouves? Oui. Je trouve que ce challenge était très drôle. Amélia, je trouve que nous deux, on a gagné dans ce challenge. Parce qu'en fait, on avait les mêmes fournitures scolaires en différentes couleurs. Il y en a qui aiment le bleu, il y en a qui aiment le rose. Donc, on a égalité et je pense que c'est préférence de goût, d'esthétique. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez le pouce bleu. Ciao, ciao, sinon on vous aime. Rose, regardez, rose.
dans une prochaine